Alors, avec la recrue phare de Julien Alfaraz, c'était vraiment une belle surprise de revoir Julien signer après ses débuts chez Cofidis, de retrouver le World Tour. Je pense que c'est mérité. Ils ont aussi récupéré Michael Valgren. Donc, après 2 années un petit peu moins bonnes, je dirais, chez NTT, le voir arriver dans une équipe différente avec un nouveau challenge. Après ce qu'il avait fait je crois que c'était en 2018. Je suis impatient de voir ce que ça va donner chez Education First. Je dirais que leur recrue, Michael Valgren, parce que franchement, c'était quelqu'un qui était capable d'être là tout le temps en 2017-2018. Donc, avec un nouvel environnement, je suis persuadé qu'on va le retrouver. Au plus haut niveau, en tout cas, j'espère le revoir au plus haut niveau parce que c'est un coureur quand même qui a du talent et du tempérament. Et ben, ça va être soit sur les classiques, mais je verrai plus des coups d'éclat sur des étapes des grands tours. C'est plus là qu'ils ont eu l'habitude de briller. Je pense que leur culture aussi de pratiquer le vélo est plus dans ce style d'être agressif en course. De par les attaques. Donc, je les vois plus aller chercher des victoires d'étape à différents moments de l'année.